c'est la 18e année déjà, de la 18e édition du festival. Moi, je suis président depuis 6 ans déjà. Voilà, c'est une édition conforme à ce qu'on a l'habitude de faire chaque année. Bon, déjà, on a le temps, c'est idéal, donc il y a du monde. La particularité de ce festival cette année, c'est qu'on a une demande d'exposants très importante. On est passé de 52 exposants à 72. Bon, on va dire que c'est le gage d'une réussite. Si les producteurs sont intéressés par venir, c'est qu'ils s'y retrouvent. On a un investissement cette année, je dirais, particulier. Des éleveurs qui sont venus présenter leur race, la race Gascogne pour les vaches, la race Tarasconnaise pour les moutons et la race de Mérens pour les chevaux. Donc on est fiers d'avoir ces races-là exposées. Et puis aujourd'hui, c'est dimanche, c'est un jour très particulier parce qu'en plus, il y a les confréries qui ont pris l'habitude de se réunir sur le festival les dimanches. Alors, ben, c'est des chants, c'est l'ambiance pyrénéenne, c'est des repas avec des produits locaux. Voilà. On est dans ce qu'on aime des Pyrénées, c'est-à-dire le soleil, les bons produits, les bons champs qui vont avec, les bonnes personnes et les belles races qu'on va présenter. Alpero, Balcamina, Balcamina de Capalli.